Hey, mais t'entends pas ou quoi? Hey, aujourd'hui, t'as vu, on a fait un... Bien sûr, on l'entend très bien. S'il te plaît, Louis. Non, mais ça ne sert à rien de dire t'entends pas ou quoi, alors qu'on l'entend, on est juste à côté. Bon, si tu regardes YouTube et que tu es sur les réseaux sociaux, tu as forcément entendu parler, voire même vu directement, le nouvel épisode du pire stagiaire. D'ailleurs, grosse félicitations à toute l'équipe de Greg Guillotin et Greg Guillotin lui-même, parce qu'à chaque fois, vous repoussez les limites du concept, à tel point que je me demande ce que vous allez faire pour la saison 4, parce que, bon, c'est bien beau de pousser à chaque fois le concept toujours plus loin, mais il y a forcément un moment où vous allez atteindre un plafond de verre, et je me demande vraiment ce que vous allez innover à ce moment-là, pour continuer le concept. Ce nouvel épisode de 40 minutes vient conclure la saison 3, et il est assez fou, puisque Greg Guillotin et son équipe piègent un rappeur du nom de Junior. Et l'épisode est tellement dingue que Junior s'est vu rafaler, c'est... il n'y a pas d'autre mot, s'est vu rafaler de followers, de likes, de commentaires, d'abonnés, enfin, ses réseaux sociaux et son YouTube ont explosé. Et pourtant, c'est pas forcément une bonne chose, et je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi Greg Guillotin n'a pas piégé une fois Junior, mais l'a piégé deux fois. Bonjour à tous, c'est Quentin Écrepon, je suis photographe, réalisateur, motion designer et créateur de contenu. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler effectivement de ce nouvel épisode du pire stagiaire. Alors l'épisode en soi est très très cool, il est super divertissant, il se passe un nombre de trucs mais hallucinant et le personnage de Louis est toujours aussi insupportable. Comme par exemple la fois où Louis balance le disque dur rempli de sons de Junior par la fenêtre, ou quand il supprime le fichier des musiques de Junior sur le Mac, ou même quand il s'incruste dans le clip à faire une gestuelle complètement claquée, c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Et l'épisode a tellement bien marché que Junior en a vraiment profité. Et c'est cool pour lui. Il a gagné plus de 200 000 abonnés sur YouTube, plus de 180 000 abonnés sur Instagram. Il a eu 2 millions de vues sur toutes ses vidéos YouTube confondues. Et son son à la Tess est rentré directement dans le top 200 sur Spotify avec 58 000 écoutes. C'est colossal. Il y a encore quelques jours, c'était un no-name. C'était un rappeur inconnu. Malheureusement, ce buzz a aussi des côtés négatifs importants que Junior et son équipe vont devoir traiter pour performer sur le long terme. Par exemple, Junior n'est plus un rappeur en soi, c'est un rappeur pranké, c'est un rappeur piégé. Il est obligatoirement, à l'heure actuelle en tout cas, associé à Greg Guillotin et au concept du pire stagiaire. Autre chose qui fusionne assez mal avec la mentalité street crédible du rap, c'est qu'on s'aperçoit dans l'épisode qu'il porte des faux bijoux, qu'il ne roule pas en Mercedes ou en BMW, que son vécu est romancé, etc. Et forcément, pour un artiste, peu importe le domaine, on veut transmettre une vision, on veut transmettre un message, donc il faut être un minimum crédible. Donc sur le long terme, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et c'est un problème important parce que dans le rap, on capitalise encore énormément, et même principalement, sur la drogue, les armes, le côté gangsta, le côté street, la rue, tout ça. La rue, la vraie, c'est rien, c'est la rue, on connaît. Alors que 99% des rappeurs, on sait très bien qu'ils n'ont pas vécu ce qu'ils racontent, qu'ils ne vivent pas ce qu'ils racontent et qu'ils ne vivront jamais ce qu'ils racontent. Et malgré tout, il y a encore cette mentalité de street crédibilité qui était très très présente à l'époque de Booba à l'ancienne sur 09, etc. Mais qui a quand même un petit peu disparu aujourd'hui, mais qui continue quand même d'être le cœur du rap. Et enfin, le plus gros point noir de cet épisode, c'est la communauté. Junior a reçu énormément de messages positifs après l'épisode, mais il est pas à l'abri d'un backlash, c'est-à-dire tous ces commentaires du style « Tu as percé juste grâce à Greg Guillotin, tu ne mérites pas ton succès, c'est un coup de chance, etc. » Et c'est un petit peu ce qu'avait rencontré Riles quand il avait percé, notamment grâce au support de Seb Lafrite. Il avait eu énormément de mal à se détacher de cette image. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce qu'il a travaillé sur son image, il a vraiment fait des choses avec cœur et humilité, il a beaucoup bossé, mais c'est potentiellement ce qui attend aussi Junior. Mais, et c'est ça le truc le plus fou dans cet épisode, c'est qu'il a réussi à désamorcer naturellement, en étant naturel, la plupart des problèmes, ou en tout cas, il a pris de l'avance sur la plupart des problèmes, en étant humble, en étant gentil, en étant chaleureux, et en gardant son sang-froid malgré parfois les réactions et les vannes ultra racistes du personnage de Louis. Et surtout, on a vu que c'était un gros bosseur et qui gardait les pieds sur terre. Ça se voit dans la vidéo, c'est quelqu'un qui travaille dur sur ses projets,
sur le long terme. Et ça, c'est important, parce que du coup, il a montré une facette authentique de lui, ce qui permet de détacher déjà un petit peu ce personnage juste de junior qu'on voit dans Le Pire Stagiaire, de l'artiste, de l'univers global qui relie les deux. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est un problème qu'il ait autant gagné d'abonnés, de likes, de commentaires, autant de visibilité sur tous ses réseaux, si en plus, il a gardé un côté authentique qui peut désamorcer tous ses problèmes? Eh bien, la réponse, elle se trouve à Miami en 2019. Un flingue, un brolic, un gun, ça passe, c'est wow. Tous ces chiffres qui sont astronomiques sont ce qu'on appelle des vanity metrics. Et les vanity metrics, malheureusement, ce n'est pas une bonne source de confiance quand on veut mesurer son audience. C'est ce qu'on voit en premier sur les réseaux, parce que typiquement, ce sont le nombre d'abonnés, ce sont les likes, ce sont les commentaires. Mais 1 million d'abonnés, ça ne veut pas forcément dire 1 million de personnes qui nous suivent coûte que coûte. Et une certaine habitante de Miami en 2019, une influenceuse, en a fait les frais. Et c'est l'histoire de Ariana Rennie. Ariana Rennie, c'est une influenceuse tout ce qu'il y a de plus classique sur Instagram, c'est-à-dire qu'elle bosse dans le lifestyle, la mode, le fashion, la beauté, etc. Donc c'est vraiment tout ce qu'on voit en grande majorité sur Instagram. Et c'est une influenceuse assez jeune, puisque si je me souviens bien, elle a 19 ans, mais en tout cas, en 2019, en mai 2019, précisément, elle avait 2,6 millions d'abonnés sur Instagram. Ce qui est vraiment énorme. C'est énorme. Alors Ariana, comme toutes les influenceuses qui se respectent, poste souvent des photos sur Instagram, elle répond aux commentaires, elle va à des événements, elle entretient sa vie sociale virtuelle, bref, elle vit sa meilleure vie sur les réseaux sociaux, jusqu'au jour où elle décide de lancer sa propre marque de vêtements qu'elle nomme Era. C'est une marque de vêtements qui se veut jeune, dynamique, qui aspire à la liberté et qui parle donc totalement à son audience sur les réseaux sociaux. Et ça a été un tel carton, ça a été un tel phénomène que sur les 2,6 millions, je le répète, 2,6 millions de personnes qui la suivent, elle a vendu moins de 40 t-shirts. Et pour être tout à fait précis, elle n'a pas réussi à en vendre 36, qui était la base d'achat nécessaire pour que son fournisseur de textile puisse commencer à expédier les commandes. Ce qui fait que sa marque est morte née. Et là, il faut se rendre compte de la situation. 36 t-shirts, c'est rien. C'est 36 personnes, voire moins si certains achètent plusieurs exemplaires de t-shirts. 36 personnes sur 2,6 millions, ça représente 0,0013%. C'est ridicule. Et le cas d'Ariana Rennie n'est pas un cas unique sur Instagram et même sur Internet. Il faut savoir qu'en moyenne, on estime à une chance sur deux le fait qu'une marque présentée par un influenceur, c'est-à-dire avec une grosse communauté, puisse se vendre et puisse exister sur le long terme. Une chance sur deux quand on a une fanbase de plusieurs millions de personnes. 2,6 millions de personnes qui s'abonnent à ta page, ça veut pas dire 2,6 millions de personnes qui te suivent au jour le jour, qui boivent ce que tu bois, qui écoutent tout ce que tu dis, parce qu'un like ou un abonnement, c'est gratuit. Et c'est là qu'on aborde le dernier virage des problèmes que va rencontrer Junior par rapport à cet épisode du Pire Stagiaire. Junior est un artiste, Junior fait de la musique, Junior fait du divertissement. Et c'est une différence cruciale avec toutes les personnes qui sont passées avant. Par exemple, Stéphane, l'installateur d'alarme, répond à un besoin. Il est donc prestataire de service. Et en fait, bah, peu importe qui répond au service, du moment que le service est correctement fait, le client est content. Et l'épisode de Stéphane a énormément aussi fait réagir sur Twitter, donc le buzz est totalement positif pour Stéphane, parce qu'il va avoir une visibilité qui est vraiment hors norme, et tant mieux pour lui, parce que ça a l'air d'être une personne en or. Alors que du côté de Junior, c'est plus problématique, parce que les gens ne viennent pas pour sa musique, ils viennent grâce au buzz. L'engagement actuel de sa communauté n'est pas pour Junior, mais grâce à Greg Guillotin, et c'est très très différent. Par exemple, concrètement, on est une dizaine parmi mes potes à avoir vu cet épisode, et même si on a adoré le côté humain de Junior, qu'on a aussi beaucoup apprécié son côté travailleur, son art et sa musique, parce qu'il est talentueux, on peut pas dire le contraire, et ben on est allé sur son Instagram et on s'est pas abonné pour autant, parce qu'on ne l'a pas découvert pour sa musique, pour son art, pour son univers, pour son personnage, mais encore une fois, grâce à Greg Guillotin et grâce à l'émission Le Pire Stagiaire. Heureusement, c'est pas irréversible et Junior a pas mal de cartes en main pour réussir à transformer l'essai et utiliser ce buzz qui, pour l'instant, est positif comme négatif pour en faire vraiment une arme qui va lui servir sur le long terme.
un flingue, un brolic, un gun, ça passe, c'est wow. La vraie solution que je vois à tout ça, c'est l'authenticité. Et coup de bol, c'est encore une fois un créneau dans lequel Junior est très fort, il est très authentique de base. Mais du coup, toute cette carte street crédibilité, gangsta, qu'on a pu voir par exemple dans son dernier son et dans son dernier clip, Kush Drill, ça va être assez difficile à maintenir sur le long terme, à moins qu'il développe à 200% son personnage et qu'il se tienne à un discours de storytelling de personnage et pas de « c'est du vécu, on vient de la street, t'as vu, etc. » Ça, ça ne marchera pas parce qu'on a vu dans l'épisode qu'il ne vient absolument pas de ce milieu et que c'est quelqu'un de très humain, très gentil, très travailleur, bourré de talent, mais que c'est pas un gangster. Et cette carte de l'authenticité, ça va aussi lui permettre de se décrocher de cette image du rappeur piégé, du rappeur pranké qu'on a évoqué tout au début. Parce que bon, en soi, il a eu énormément de chance que ça tombe sur lui et son équipe. En vrai, le concept du pire stagiaire, ça aurait pu tomber sur n'importe quel autre rappeur un petit peu dans son genre, et des rappeurs talentueux avec du potentiel, il y en a beaucoup en France. Donc ça veut dire qu'il va devoir travailler deux fois plus. Son image, son univers, sa gestuelle, ses paroles, son storytelling, son personnage, tout ça, il va devoir le travailler deux fois plus, ce qui va lui permettre de se démarquer de ses concurrents, de tirer son épingle du jeu et d'utiliser ce buzz à bon escient. Ça va être de dévoiler sa personnalité et encore une fois, de viser sur l'authenticité. Donc ça va passer par des making-of, des insights, plus de photos sur Instagram ou sur les réseaux, en tout cas des coulisses de ses projets. Et surtout des coulisses de sa vie, de sa personnalité, pour tisser vraiment un lien avec sa communauté et nouer un engagement sincère sur Instagram et sur les réseaux globalement. Bref, tu l'auras compris, je n'ai rien ni contre Greg Guillotin, ni contre Junior, au contraire, je suis admiratif de ces deux personnes, autant pour leur personnalité que pour leur travail, ce sont des gros travailleurs, et ça, ça fait toujours plaisir à voir. C'était vraiment un bon épisode, j'ai passé un très bon moment, donc encore une fois, félicitations à tous les deux. D'ailleurs, Junior, si tu tombes sur cette vidéo, je tiens réellement à te dire bon courage, parce que, effectivement, t'as eu un coup de chance que ce concept tombe sur toi et te donne une grosse visibilité. Maintenant, ça va être extrêmement dur, ça va pas être facile de réussir à transformer l'essai parce que, comme dit, ces gens ne sont pas venus à la base pour ta musique. En vrai, je me fais pas trop de soucis pour toi parce que t'es un travailleur et t'as du talent, donc a priori, tout devrait bien se passer. En plus, t'as vraiment l'air d'être un très très bon gars, donc c'est encore un très bon point positif pour toi. D'ailleurs, j'y pense là, mais un des derniers cadenas pour verrouiller cette solution d'authenticité dont on a parlé avant, ça serait de collaborer avec des artistes qui sont déjà implantés dans le milieu et qui te permettraient de te valider directement, ce qui te ferait un coup de pouce non négligeable, mais j'ai cru voir en story Gradure te riposte, donc a priori il y a déjà des choses qui sont en chemin. Parce que c'est bien d'avoir une grosse communauté et une grosse visibilité, mais c'est pas tous les jours facile. Et on va voir directement sur les prochains projets que tu vas lancer, notamment la mixtape, comment réagit le public maintenant réellement avec ton art. Et je te souhaite bonne chance pour ça. Bref, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Mets en commentaire comment tu as trouvé l'épisode des pires stagiaires et comment tu as trouvé ma vidéo. Je serais très curieux d'avoir les visions des gens, de comment ils ont apprécié ça et comment ils voient l'évolution de la chose. Lâche un j'aime si la vidéo t'a plu, abonne-toi à mon YouTube, abonne-toi à mes réseaux pour rester informé de ce qui arrive, je suis de plus en plus actif et ça va aller en s'améliorant. Partage aussi cette vidéo si tu penses que son contenu peut plaire à quelqu'un. On se retrouve très très vite avec de nouvelles choses. D'ici là, prenez soin de vous et le plus important, comme toujours, créez des choses. Salut. Tu rêvais d'être un plus de 10, mais ta famille, c'est de la pisse. Je viens de bousiller le beat.